Salut à tous et à toutes, c'est deux qui l'organisent quand elle est venue. En tout cas, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous demandez peut-être pourquoi je ris. C'est en fait parce que depuis tantôt, on se raconte des blagues. Là, on est tous morts. Je suis avec Axel et Abby. Bonjour tout le monde, c'est Dino, le beau Dino. Oh, Abby m'a dit parce que. Là, on a dernière fois, on a vu au parc une chinoise et un arabe en couple. Et là, Abby nous a sorti parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans son compte bancaire. En fait, tu vois, il a dit, j'ai vu sur tes dessins, on a le droit avec une petite découverte. Il s'est marié avec elle que pour venir au Canada, après les pieds partis. Après la Québécoise, elle est venue hier à TV5, n'allez pas en Algérie, il vous aime pas, il veut que vous frauder. Mais ouais, pour avoir les papiers ici. En plus, elle était super contente, elle a dit « J'ai trouvé l'homme de ma vie et tout !» Après, dès qu'ils sont arrivés à l'aéroport, il a voulu divorcer. Donc les gars, vous allez pas m'entendre dans cette vidéo, vous allez juste entendre mes amis. En plus, il y avait toute sa famille. Il est venu au Canada avec toute sa famille, le mec. Oh, l'arabe! Ouais, et c'est même pas lui qui avait payé le billet. Oh, bagnard! Oh non, 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 ça se fait pas. Ça se fait pas. Pour vrai? Oui. Qu'est-ce que faisait la Québécoise là-bas, ma chérie? C'est ça! Qu'est-ce qu'elle foutait là-bas? Elle était allée chercher l'amour. Pour tous les musulmans, ça arrive comme. Ouais, ça arrive comme. Voilà. Ouais. Yo, attends. Mon frère, il est en train de me regarder, je vois ce que ça. Donc les gars, on va faire un défi. Il y aura Jawad chez moi, donc voilà, on va faire un défi. Je crois qu'on va faire Ice Bucket Challenge. Ah non, Bram, sa maman. Vous allez faire zéro view. Allez, regardez leur vidéo. Sinon, je viens chez vous. Mangez tout ce que vous avez dans votre frigo. Allez, Abby, raconte-moi. Abby, est-ce que t'as un ordi à côté de toi? Ouais. Vas-y, tape meilleure blague du monde. Ça va sortir. Ok. Qui raconte-nous? Ok, les gars, attendez. Abby va nous sortir des blagues. Où il crie devinette. Attends un peu. Non. C'est plus, je me prends pas un rouge. Si le gameplay vous plaît, écrit, laissez-moi un like. Attends. Adam, j'ai une devinette. Vas-y. Je vis du vœu d'être percé. Sitôt et décidé, je me fane et on m'oublie. Hein? Une fleur. Je suis. Ouais. Attends, répète. Ok, attends.
Je vis du vœu d'être percé. Sitôt élucidé, je me fane et on m'oublie. Un nuage? Non, une énigme. Merde. Parce que Oh. elle vit d'être Oh. percée. Et quand tu l'élucides, tu la fanes et tu l'oublies. Ouais, quand tu la racontes, genre. Ok, une autre. Je crois que les abonnés, ils ont pas compris là. Ils ont dit, wesh, on est en vacances, tu nous sors C'est une des mots comme devinette, ok? ça. Non, raconte des blagues parce que les devinettes, ça fait penser. C'est Non, Adam non. qui m'a dit devinette. Non, devinette, devinette, les blagues. Non, devinette, devinette. Blague! C'est Ok, meilleur vas-y. pour la santé. Ok, On vas-y. guérit des malades. Tu sais qu'il y avait un gars qui était en train de mourir, et là il regardait des films drôles, et il est guéri. Parce qu'il avait, il avait genre un truc au foie, et il commençait à regarder juste des comédies, et il a guéri. Ah, c'est parce que le foie, genre, c'est avec ça que tu ris, je crois. Ouais. Ouais. En fait, genre, tu sais que si tu ris, tu vas vivre plus longtemps. Ouais. T'as vu? C'est pour ça qu'il faut rire Non, non. dans la Non, vie. toujours, c'est vrai. Non, mais ça serait chelou, là. Donc le gameplay Faire en concert. live. Ah, mais là. Aïe, Vas-y, aïe, aïe, aïe. Abby, tu fais quoi? Mais attends, je cherche là. J'avais vu Anaconda, ça m'a distrait. Première fois, la dernière fois, on était sur GTA, moi et Jarwad. Je lui ai dit, yo, j'ai vu un anaconda. Yo, yo, il a commencé à cramper. Je sais pas pourquoi. Parce que lui qui me l'a dans la conda. Non! Connu? Après, il m'a dit, yo, c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Je te jure! Qu'il entend Oh, quel man! mot? Nico! C'est impossible, ça! C'est impossible, je lui ai déjà dit à la fin là. Yo, Ça les gars, moi, crampait. je vais bientôt aller dormir, yo. Comment tu veux que je me réveille pour la salade, le salade demain? On doit se réveiller Ouais, c'est tôt, ça, hein? après tout pour le. Non. Mais ça me dit pas de blague, Adam. M'écrit blague. Attends, la meilleure blague de Moi, Kev, j'ai Adam. une là. Hey. Moi, je vais essayer de faire une nuit blanche. Ouais, comme ça, quand tu vas être en train de sauler, ta tête, elle va Tu tomber par vas terre. dormir. Je sais pas rêver aussi. Oh my god. Donc le gameplay en live. Ah, J'espère qu'il vous kiffe, c'est 6-0. Adam. Ouais. Adam. Allah Akbar. Mmh. J'adore la parole. Axel, il m'a dit, je vais essayer de faire une nuit blanche. Répète, Allah. Plusieurs points. Parce que tu vois là-bas, genre ils posent du couscous et tout. Ada, j'ai une blague. Moi, Vas-y. gros, tu veux manger du couscous? Puis il y Il a dit. du. Il Vas-y. dit. Il y a un gars, un patron d'une chaîne de télé et un sans-abri. Le patron de chaîne de télé lui dit, tu me poses des questions, à chaque fois que je réponds bien, Oui, je te donne un euro. je Et sais, le patron. je peux la dire s'il Ok, vous plaît. vas-y, vas-y. Tu vois le con, il dit, oh non, 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 tu vois le patron de télé, il dit au con, ok, c'est dans la vie, t'as une mère, c'est qui? Le con, il dit, ne fais pas, tiens, 1 euro. Après, il dit, ok, deuxième question, c'est qui le gros gars rouge? À Noël qui donne des cadeaux. Garou, Noël, cadeau. Ne fais pas. Ok, tu t'appelles. Ok. T'es un gars ou. Soit t'es un gars, soit t'es un gars. Je sais pas.
Après, le patron, il dit, ok, vas-y, on va. Tu vas être rendu pauvre si on continue comme ça. Peut-être me poser une question. Mais dis, si je réponds mal à la question, en ce qui connaît tout, tu me donnes 1 million d'euros. Après, le con, il dit ok. Après, il dit, après, il dit genre un truc, genre, qu'est-ce que c'est 1000 fois 20 divisé par 40 multiplié par 0,2 de pi 9,42. Après, genre, un truc super difficile. Après, le gars, il fait plein de recherches et tout. Il n'arrive pas à trouver. Après, il a 1 million d'euros dans sa main. Il lui dit, vas-y, s'il vous plaît, donne-moi la réponse. J'ai cherché partout. Donne-moi la réponse. Après, le con, il dit, ne fais pas. Tiens, 1 euro. Bah. J'ai rien compris. C'est pas Non, grave. mais. Est-ce que tu vois le con, il est tellement con qu'il lui a posé une question, mais la question, il sait pas c'est quoi la réponse. C'est ça, alors la réponse c'est qu'il ne sait pas. La réponse est qu'il ne sait pas. Il a Alors gagné les 1 million 1000 d'euros, euros c'est. contre 1 3 million. euros. Contre 4 euros, frère. C'est ça. C'est ça que je vais faire moi aussi. Venez pas. Vas-y, c'est quoi ces blagues Dis-moi, parce aussi? que c'est pas le sens de l'humour qui nous fait. C'est ça, hein? Un malade mental. Ça, c'est le blédard. T'es malade, toi? J'ai une devinette, ok? Ok. Ouais. Tu sais que c'est un gars, il travaille au Best Buy. Best Buy, si vous savez pas c'est quoi, c'est un magasin électronique. Après, il dit, il y a un gars, il vient de s'acheter une maison, il veut la meubler. Il veut s'acheter une télé Toshiba, la marque. Après, tu vois, il dit, après, il l'achète et tout, il rendit chez lui. Après, il n'arrive pas à la brancher, la télé veut pas s'allumer. Après, il appelle le gars, il lui dit, ouais. Oui, vas-y. Ah ouais, après j'ai une blague à déchirer. Allô? Non, Allô? ma manette s'est débranchée. Ok. Bah. Il lui dit, ouais, ta télé elle marche pas. Après il dit, ok, c'est bon, je t'envoie un gars chez toi, il va te la réparer. Il va t'aider. Après tu vois, quand le gars y arrive, j'ai dit, mais monsieur, vous avez pas branché le fil. Après il dit, mais c'est écrit Toshiba. Toshiba. Yo les gars, on a une blague, elle est drôle. Je viens de la voir. Ok, c'est un père, il texte à son fils, ok? Le père dit, fiston, dès que je te récupère, on part aux USA. Ça veut dire United States of America, ça veut dire les États-Unis. Après, le petit, il répond, t'es sérieux? Après, le père, il dit oui. Après, le fiston lui répond, c'est trop génial, comment ça se fait? Après le papa écrit, j'ai eu ton bulletin et là-bas la peine de mort est autorisée, petit con. Oh le bagnard, oh le bagnard. Non, tu vois, j'en ai, ok. Là, tu vois, c'est une fille, elle voit que son père a mis Facebook, a ajouté Facebook. Ok? Et là, après, elle texte à son père, elle lui dit, hey, papa, comment t'as Facebook? Après, non, son père, il lui dit, ouais, t'as vu, j'ai Facebook. Après, elle lui dit, hey, what the fuck? Après, il a dit, ça veut dire quoi, what the fuck? Il lui a dit, welcome to Facebook. Genre, Adam, Adam, elle a écrit Adam, WTF, Adam, welcome to Facebook. Adam, 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 j'ai une blague. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est un gars, il parle à une fille, son ami, ok? Le gars lui dit, ben ça a pas duré avec Jou. La fille dit, ah ben non, moi les Peter Pan, c'est pas. C'est, ah bah ben non, les Peter Pan, c'est pas pour moi. Après, le gars lui dit, Peter Pan, pourquoi tu le surnommes comme ça? Après, la fille lui dit, enfin, lui, son sexe.
Après, on veut bien m'aider.